Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Nous demandons que tu parles à chaque cœur, que ta parole soit profitable et bénéfique dans chaque vie au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 1. Lisons certains passages sélectionnés de ce test de base. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Verset 3. Verset 3 dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 5. Il dit dans le verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 12. Il nous dit dans le verset 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Les passages que nous considérons aujourd'hui parlent de la prophétie, du parler en langue et de l'interprétation des langues. Lorsque un croyant est sauvé, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit, reçoit les dons de l'Esprit, et parmi ces dons, il y a la prophétie, le parler en langue et la prophétie. Nous devons alors comprendre l'utilisation privée des dons et l'utilisation publique des dons. En privé, nous pouvons parler en langue. Mais lorsque nous venons en public dans l'adoration, s'il faut parler en langue, il faut forcément l'interprétation. Parler en langue plus l'interprétation égale à la prophétie. Et la prophétie est un message venant de Dieu qui nous donne l'édification. Alors aujourd'hui, nous considérons le message intitulé « La puissance particulière de la prédication prophétique ». La puissance particulière de la prédication prophétique, la proclamation prophétique. Trois points à considérer. Premier point, le ministère spécifique des prophètes pour l'édification. Le ministère des prophètes ou de la prophétie dans l'Église, c'est spécifique. C'est pour l'édification des croyants, l'édification des membres de l'Église, pour l'édification de l'Église. Premier point donc, le ministère spécifique des prophètes pour l'édification. Deuxième point, le message profitable des prophètes avec explication. Le message profitable des prophètes avec explication. Troisième point, les messagers passionnés, dotés de puissance et revêtus. Lorsque nous avons le Saint-Esprit qui nous sature, immergé dans le Saint-Esprit, et que nous avons cette puissance du Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement de puissance. Et cela donc nous rend passionnés en tant que messagers du Seigneur, les messagers passionnés, dotés de puissance et revêtus. Premier point alors, le ministère spécifique des prophètes pour l'édification. En 1 Corinthiens au chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1er, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.
Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Parle aux hommes, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4. Il nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5 maintenant. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors nous parlons du ministère des prophètes. Et ce ministère des prophètes nous parle et nous révèle ce qu'il fait, l'accomplissement qu'il a, et l'édification, l'exhortation et la consolation qu'il apporte à l'Église. Comme nous parlons du ministère des prophètes, nous allons considérer Osée au chapitre 12. Osée, chapitre 12, verset 10. En Osée 12, verset 10, il dit, « Et moi, je suis l'Éternel, verset 11, lui second, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Voici le Dieu Tout-Puissant qui dit, « J'ai parlé, j'ai révélé ma pensée, j'ai donné le message par les prophètes. » Et la dernière ligne, il parle du ministère des prophètes. Quel est l'objectif? Quelle est l'utilité de ce ministère des prophètes? Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Leur délivrance, leur rédemption, leur salut et leur échappatoire de l'esclavage était par le biais du ministère d'un prophète. Maintenant, il dit, la dernière partie du verset 14, « Et par un prophète, Israël fut gardé, sorti, délivré, racheté par le ministère du prophète et ensuite préservé par le ministère du prophète. » Alors, nous allons donc chercher à comprendre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament le ministère du prophète, l'édification, l'exhortation et la consolation. Trois choses, trois éléments à voir dans ce premier point. Premièrement, le ministère excellent des premiers prophètes, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancienne Alliance, les prophètes de l'Ancien Testament, le ministère excellent des premiers prophètes. Deuxième élément, Le ministère, comme il y avait des ministères fidèles, il y avait des faux prophètes, le ministère. Donc, le deuxième élément, dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament, et même dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Et la Bible, donc, a expliqué clairement le ministère asservissant des faux prophètes. Troisième élément, le ministère d'édification des prophètes fidèles. Les prophètes qui parlent et révèlent la pensée de Dieu, qui déclarent la parole de Dieu. Et ils donnent la parole telle que Dieu l'a révélée. Et ils déclarent cette parole au peuple, apportant la conviction, la confession et la conversion à l'Éternel. Et la consécration, l'engagement donc des membres de l'Église. Alors donc le ministère d'édification des prophètes fidèles. Voyons les éléments l'un après l'autre. Premier élément, le ministère excellent des premiers prophètes. Nous avons déjà lu 1 Corinthiens 14, du verset 1 au verset 5. Alors, voyons le verset 12 maintenant. Dans 1 Corinthiens
14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Comme nous proclamons la parole, comme nous prophétisons, comme nous prêchons la parole de l'Éternel, alors l'intention, l'objectif, c'est d'édifier l'Église. En Zacharie, au chapitre 1er, verset 3, il nous dit en Zacharie, chapitre 1, verset 3, « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Dans le verset 4, il dit, « Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Dans ce verset 4, vous verrez les mots premiers prophètes. Tous les prophètes qui sont venus avant Zacharie, les prophètes qui ont existé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Alors quel était leur message? Le résumé de leur message était « Revenez maintenant, détournez-vous de vos mauvaises voies et détournez de vos mauvaises actions. » Maintenant, aidés, ils n'ont pas écouté. En Jérémie au chapitre 7, verset 23. Jérémie, chapitre 7 plutôt, 23. Jérémie 7, 23. Jérémie 7, 23. Il dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Ça, c'était le message. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. C'était là le message. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Les prophètes, je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Et leur message, c'était qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et cherchent le Seigneur. Vous voyez maintenant le deuxième élément dans le premier point. Le ministère asservissant des faux prophètes. Le ministère asservissant des faux prophètes. En Matthieu au chapitre 24. Versets 11 et 12. En Matthieu, chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce sont même les paroles de Jésus-Christ lui-même. Dans ces temps, il y avait des faux prophètes. Et dans les derniers temps, il y aura aussi des faux prophètes. Et Jésus-Christ a averti l'Église, les apôtres et les disciples. Qu'il y aura donc, qui se lèvera de faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, dans le verset 24 nous dit, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maintenant, dans Matthieu chapitre, les paroles du Seigneur Jésus-Christ avertissant les croyants, avertissant l'Église. Prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous en vêtements, mais ce sont des loups ravisseurs. Alors, il dit extérieurement, ils peuvent sembler doux, gentils, sages, et profitable extérieurement. Ils seront comme ils vont revêtir des habits de brebis, mais intérieurement ce sont des loups ravisseurs, destructeurs, meurtriers. Et dit maintenant, vous les connaîtrez par leurs fruits. Les hommes, on rassemblera donc, verset 20, le verset 20 dit,
C'est pourquoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7. Ils prophétisent, ils proclament, ils prêchent, mais leur prédication, la proclamation, la prophétie ne change pas les cœurs des auditeurs. Les faux prophètes peuvent prophétiser. Matthieu 7, 15 à 23. Leur message n'a pas un effet transformateur ou une puissance de transformation. Ils peuvent même accomplir des miracles. Verset 21 de Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 22, il nous dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, plusieurs prophètes, ceux qui ont mal interprété, mal appliqué la parole de Dieu, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Cela veut dire qu'ils n'étaient jamais nés de nouveau. Je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont jamais appartenu au royaume de Dieu. Ils n'ont jamais eu l'expérience de la nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu n'a jamais convaincu ces gens-là. Ou ils n'ont jamais cédé à la conviction de leur péché. Ils n'ont jamais confessé leur péché. Ils n'ont jamais abandonné leur péché. Ils vivaient toujours dans le péché pendant qu'ils disaient qu'ils prophétisaient ou ils prêchaient. Ou proclamant, et il n'y avait pas d'évidence de conversion ou même d'être attaché au Seigneur dans leur vie. Ils étaient religieux, mais ils n'étaient pas justes. Le Seigneur dit, je leur proclamerai, confesserai, professerai divinement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 1 Jean au chapitre 4. En 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs, pas un petit nombre, plusieurs faux prophètes dans chaque pays, dans chaque partie du monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, il nous dit dans le verset 6. Verset 6 nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les faux prophètes ont l'esprit de l'erreur, l'esprit de fausseté, l'esprit de fausseté et de fausse doctrine. Mais, en dehors des premiers prophètes, en dehors des faux prophètes, nous avons les prophètes fidèles. Troisième élément dans le premier point, le ministère d'édification des prophètes fidèles. Les prophètes qui sont fidèles, ce sont eux-là qui édifient l'Église. Ce sont ceux-là qui exécutent la grande commission. Ce sont ceux-là qui donnent la parole d'exhortation. Et ce sont ceux-là qui donnent la parole de conviction. Et qui amènent les pécheurs sortis de leurs péchés et les conduire dans le royaume. Ce sont ceux-là qui vont prêcher. Et les croyants sont affermis, soutenus dans le royaume de Dieu. Et ils reçoivent la grâce pour demeurer dans le royaume de Dieu par l'obéissance de leur cœur et de leur vie à la parole de Dieu. Et ils édifient les membres en les amenant à croître, en les amenant à la maturité et les amener donc à progresser dans le ministère du gain des âmes et aider tous les membres de l'Église, membres et ministres,
pour qu'ils sortent, qu'ils aillent exceller dans le royaume et dans le ministère que le Seigneur les a confié. Le ministère d'édification des prophètes fidèles. Il nous dit en 1 Corinthiens chapitre 14, lisons à partir de verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Celui qui prophétise, il vient en public et il parle aux hommes. Les hommes peuvent être dans l'église, ils peuvent être hors de l'église, partout où ils sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Celui qui prophétise, le prophète fidèle, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Il nous dit dans le verset 12, il dit, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alors quand vous prêchez, édifiez, quand vous prophétisez, édifiez, quand vous proclamez la pensée de Dieu, édifiez l'Église. Verset 17. Verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Si tu parles seulement en langue, ou tu parles dans des langues que les gens n'arrivent pas à comprendre, ou si tu parles la langue que les gens écoutent, mais c'est si rapide, c'est si vraiment mélangé, ce n'est pas distinct, et les gens n'arrivent pas à te comprendre, alors tu ne peux pas édifier l'église. Mais vous devez parler de sorte, vous devez tellement proclamer, vous devez prêcher de sorte, vous devez prophétiser de sorte, afin d'édifier. Verset 19. Dans le verset 19, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres. Que 10 000 paroles en langue. Dans le verset 26. Verset 26. Que faites donc, frères? Lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tous, alors dites, quelque chose que nous avons, faisons tout, que tout se fasse pour l'édification. Il veut donc que nous parlions pour édifier le peuple à qui nous parlons. Verset 31. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous pouvez tous prophétiser, déclarer la pensée de Dieu, tous proclamer la pensée du Seigneur, pour que tous soient instruits, pour que des pécheurs qui écoutent apprennent, les saints qui entendent apprennent, les membres qui entendent soient instruits, ceux qui ne sont pas membres, qui viennent pour la première fois, soient instruits, ceux qui ont besoin la parole du salut, la repentance, la rédemption par le Seigneur soit instruit. Et ceux qui doivent croître dans la grâce de Dieu soient instruits. Pour que tous prophétisent tous successivement. Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Il nous dit en Luc au chapitre 1er. Verset Luc 1. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, les prophètes fidèles sont les prophètes saints, les fidèles sont les saints prophètes qui ont connu le Seigneur par une expérience personnelle du salut et qui ont connu le Seigneur par une expérience personnelle de la sainteté, de la pureté de cœur, de la sainteté de vie. Et l'adjectif qui les qualifie, c'est qu'ils sont de saints prophètes. Et comme il avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 71. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et il se souvient de sa sainte alliance. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, ce que les saints prophètes ont prêché, c'était pour donner la parole de l'alliance, pour que le Père Céleste avait déclaré, annoncé à notre Père Abraham, avec l'alliance qu'il avait faite avec le peuple d'Israël. Et les prophètes venaient et rappelaient au peuple de Dieu les termes de l'alliance, les conditions de l'alliance et les profits de l'alliance. Ils rappelaient au peuple de Dieu. Et ces prophètes nous rappellent toujours l'alliance qu'il a faite avec notre père Abraham, le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Les prophètes et les prédicateurs qui sont fidèles à la parole de Dieu, il vient nous rappeler la rédemption du Seigneur. Comment nous pouvons être sauvés? Comment nous pouvons être rachetés? Comment nous pouvons être délivrés du marché d'esclavage du diable? Ensuite, nous allons servir le Seigneur sans crainte. Qu'est-ce qui cause la crainte? La crainte de Dieu. La crainte qui tourmente le péché, par le péché commis. Et quand il nous montre la voie du salut, et que nos péchés sont pardonnés, et que nous sommes rachetés, réconciliés à Dieu, il n'y a plus de crainte, une peur, crainte qui tourmente pour le châtiment de nos péchés. Maintenant, nous pouvons servir Dieu sans crainte, sans la crainte du jugement éternel et ultime. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Les prophètes, s'ils sont des prophètes fidèles, s'ils sont des saints prophètes, s'ils sont des prophètes qui visent à édifier l'Église, ils vont nous rappeler que Christ est mort, que la rédemption a eu lieu. Et maintenant, nous pouvons être sauvés de la main de nos ennemis et que nous pouvons avoir la grâce et la force et l'influence de l'Esprit, la puissance de l'Esprit pour servir le Seigneur sans crainte, dans la sainteté et dans la justice devant lui tous les jours de notre vie. Ça, c'est l'expérience de la sanctification. Après, l'expérience du salut. Nous sommes sauvés. Nos péchés extérieurs sont ôtés. Nos péchés extérieurs sont pardonnés. Maintenant, nous sommes sanctifiés. Et non seulement que nous sommes capables de vivre dans la justice devant les hommes, mais nous sommes également capables de vivre dans la sainteté, dans la justice devant Dieu, non seulement pour un jour, ni une semaine, ou peut-être une courte durée, mais nous sommes capables de vivre dans la sainteté, dans la justice, devant Dieu, tous les jours de notre vie. Je prie que le Seigneur l'accomplisse dans chaque vie au nom de Jésus. Je n'entends pas votre amen. Deuxième point maintenant. Le message profitable des prophètes avec explication. Le message profitable des prophètes avec explication. En 1 Corinthiens au chapitre 14, revenons en 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine.
Ici, l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, nous explique que si nous sommes dans l'église et que nous parlons en langue, comment est-ce que cela est-il aux gens s'ils ne comprennent pas ce que nous disons, si nous prêchons dans notre langue locale aux étrangers qui ne comprennent pas notre langue, dialecte, comment serons-nous alors profitables aux étrangers? Si nous sommes si zélés et nous voulons prêcher, et tout ce que nous prêchons et disons, c'est dans notre langue locale, dans notre langue vernaculaire. Disons par exemple, tu es un Yoruba et quelqu'un pose une question, et en posant cette question en Yoruba, toi tu réponds à la question en Yoruba. Et nous retransmettons ça dans les nations, aux étrangers qui ne comprennent même pas la langue Yoruba. Comment est-ce que tu seras utile aux gens? Tu peux avoir un bon message, tu peux avoir une bonne compréhension, mais si ce que tu prêches n'atteint pas les cœurs des gens, tu ne vas pas édifier le peuple. Comment le faisons-nous? Parler dans la langue que les gens qui t'écoutent peuvent comprendre. Alors, soit tu reçois une révélation ou une connaissance, ou tu prophétises, ou tu enseignes doctrine. Ne dis pas en anglais, dis-le en anglais ou en français. Et les interprètes partout où ils se trouvent, peuvent interpréter cet anglais vers les gens, et tout le monde pourra en profiter. Cela nous montre alors que quelque chose que nous faisons, les chants, la prédication, tout ce que vous faites, faites-le pour édifier. Qui est alors une explication appropriée? Verset 19. Dans le verset 19, il nous dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin je dois comprendre ce que je dis. Ceux à qui je parle, ils doivent aussi comprendre ce que je dis dans l'église, devant l'assemblée, au milieu du peuple de Dieu. Je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, et quand je parle avec mon intelligence et avec l'intelligence des membres, alors je peux me tailler, aller m'asseoir, que de 10 000 langues, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Il y a 3 éléments à considérer ici. Premièrement, la distinction du message sélectif des prophètes. Le message qui touche le cœur. La distinction du message perçant des prophètes. Du message perçant des prophètes. Le message qui réveille les pécheurs ou qui dorment dans leur péché. La distinction du message perçant des prophètes. Ceux-là qui dorment dans le mal, le message qui perce les cœurs, qui convainc les cœurs, qui réveille les pécheurs et qui les envoie sur leurs genoux dans la prière et pour confesser le péché afin d'être sauvé. Et le message doit être distinct, la distinction du message perçant des prophètes. Deuxième point, la déclaration du message pénétrant des prédicateurs. Les prédicateurs ne doivent pas divertir les pécheurs. Les prédicateurs ne doivent pas divertir les membres de l'église. Quand ils parlent, le Seigneur par la parole doit pouvoir donc identifier chacun partout où il se trouve. Et ils doivent sortir de leur lieu de cachette ou de leur lieu caché pour chercher la face du Seigneur. En déclarant le message qui pénètre les cœurs du peuple. La déclaration du message pénétrant des prédicateurs. Troisième élément, la démystification. C'est comme un mystère. Et vous mystifiez, révélez, vous exposez, vous expliquez, vous appliquez. Pour que ce ne soit plus un mystère. Ça aura un sens dans les cœurs des membres qui écoutent. La démystification ou la clarification du message poignant des gens persuasifs.
Nous sommes venus les persuader. Nous voulons les convaincre pour qu'ils sortent de leur péché et qu'ils viennent au Sauveur pour embrasser le Sauveur et permettre à la grâce du Sauveur d'avoir d'impact dans leur vie. Premier élément, donc, la distinction du message perçant des prophètes. En Ésaïe, chapitre 58, Ésaïe 58, lisons le verset premier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Le prédicateur, le pasteur, le prophète doit être si clair, doit être si distinct, que la voix, comme celle d'un prophète, d'une trompette, donne un son clair pour montrer au peuple leur transgression, montrer à la maison de Jacob ses péchés. Il nous dit, en Osée, Osée chapitre 8, premier. Osée chapitre 8, verset premier. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Il dit, le prophète doit parler à haute voix, clairement, de façon distincte, pour que la maison de Jacob ou les religieux du pays entendent et qu'ils sachent qu'ils ont violé les commandements et transgressé la loi de l'Éternel. Verset 2. Il dit, Israël, ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons. Nous, Israël. Verset 3. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Il dit, vous devez l'expliquer clairement à ceux qui vivent dans le péché, même s'ils s'appellent ou ils se disent enfants d'Abraham, ils se disent enfants de Jacob, peuple d'alliance de Dieu, s'ils vivent dans le péché et qu'ils ont rejeté la bonne doctrine et l'enseignement, la loi de l'Éternel, dis-leur. Parce qu'ils ont abandonné la loi, l'ennemi le poursuivra. Verset 12. Verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Il faut le leur dire. Faisons cela. Je voulais qu'ils se détournent de leur transgression, mais ils considèrent la repentance comme une chose étrange. Ce sont ces gens-là, après les avoir sauvés, je veux circoncire leur cœur, je veux les sanctifier, je veux les purifier, je veux qu'ils soient aussi saints, parce que je suis saint. Mais ils considèrent la sainteté comme quelque chose d'étranger. Je voulais qu'ils soient séparés des païens, des nations païennes, des idolâtres. Je voulais qu'ils se séparent des gens qui vivent dans l'idolâtrie et dans l'abomination. Mais ils ont considéré cette parole du salut, de la sanctification, de la séparation, ils l'ont considéré comme quelque chose d'étranger. Mais vous, prophètes, ne vous taisez pas à cause de cela. Alors élevez votre voix comme une trompette. Et dites-leur, montrez-leur qu'ils doivent revenir à l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel, déclarée fidèlement par l'Esprit de Dieu, apportera la conviction et touchera leur cœur. Actes des Apôtres, au chapitre 2, 36. Que toute la nation d'Israël sache. Donc, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Direct. Que vous avez crucifié.
confrontation que vous avez crucifié. Il leur a dit cela directement et de façon persuasive que vous êtes de grands pécheurs. Vous avez crucifié, vous avez fait tuer le Fils de Dieu, notre Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Mais le Seigneur, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» La conviction est venue. Lorsque nous proclamons la parole du Seigneur, nous devons la proclamer au point où la conviction saisisse les auditeurs et ils seront disposés à dire et à poser, « Hommes et frères, prédicateurs, proclamateurs de la parole, que ferons-nous ?» Verset 38. Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, sortez des ténèbres, sortez du mal, et venez à la grâce et au salut du Seigneur. » Deuxième élément dans le deuxième point, la déclaration du message pénétrant des prédicateurs. La déclaration du message pénétrant des prédicateurs. Premier Corinthiens chapitre 14, verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il dit, ceux qui ont la pratique de parler des langues inconnues, une langue inconnue, dans l'assemblée, que les gens ne les comprennent pas, et les paroles qu'ils déclarent ne sont pas comprises. Il dit, mais comment sauront-on ce que vous dites? Quand vous parlerez en l'air, peut-être vous prêchez de la même manière, et vous déclarez, vous parlez une langue qui n'est pas comprise par le peuple. Vous perdez leur temps, vous perdez votre temps, et vous parlez en l'air. Et votre objectif, ce n'est pas de convertir l'air, transformer l'air ou transformer l'atmosphère. Alors, si vous voulez transformer les gens, parlez au cœur du peuple. Ce que le peuple peut comprendre, déclarer la parole pénétrante de la proclamation de la parole de Dieu. Verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, sans sens. Chaque langue dans le monde, ou les voix du monde, tout ce qui se passe. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Alors, ce qu'il faut noter, parler clairement pour que ceux qui écoutent comprennent et qu'ils puissent facilement prendre cette parole, qu'ils comprennent et la porter à Dieu dans la prière. S'ils ne sont pas convertis, ils peuvent confesser leurs péchés et ensuite se détourner de leurs péchés pour naître de nouveau. S'ils sont sauvés, mais pas sanctifiés, ils pourront écouter la parole de Dieu clairement et comprendre qu'ils ont besoin de l'expérience suivante et consacrer leur vie au Seigneur et pour être sanctifiés. S'ils sont sauvés, sanctifiés, alors ils comprendront tellement la parole de Dieu qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ils pourront donc aller à Dieu dans la prière et désirer, demander, exiger, prier pour avoir le baptême et l'immersion dans le Saint-Esprit. Et la puissance viendra sur eux. Et alors, ils pourront donc exécuter la grande commission avec efficacité. En Romains, au chapitre 15, verset 19, Romains, au chapitre 15, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Prêche-le, proclame-le, que les gens le comprennent. La bonne nouvelle de Christ est la bonne nouvelle qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité encore par la justification pour notre justification, rédemption et notre salut. Verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Verset 21. Verset 21, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ils verront, ils entendront, et ils comprendront. Troisième élément, la clarification, la démystification, le discernement du message poignant, des gens persuasifs. Nous venons au peuple, en tant que prédicateur, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole, et ce n'est pas seulement pour parler, pour nous satisfaire, nous complaire, mais c'est pour que la parole de Dieu pénètre les cœurs et les persuader de se détourner, d'échapper le jugement à venir. En 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Si vous savez que les hommes à qui vous parlez, ils sont sur le point de tomber en enfer. Ils sont très proches de la fosse de la destruction. Vous n'allez pas les divertir. Connaissant la terreur du Seigneur, connaissant le jugement éternel, connaissant le tourment éternel, la souffrance éternelle, la douleur éternelle, que les pécheurs vont endurer éternel, sans fin, depuis le jour qu'ils sont morts, qu'ils meurent dans leur péché, jusqu'à tout au long de l'éternité. Connaissant donc cette erreur et tourment et souffrance et douleur qu'ils vont endurer, vous devez les avertir, les convaincre. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Voilà pourquoi dans le verset 20, nous faisons donc, vous prédicateurs, nous prophètes, nous proclamateurs de l'évangile, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhorté par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu.
Disons par exemple qu'il y a inimitié entre A et B, entre un homme et un autre homme, et vous voulez les réconcilier. Et ils ont donc des différends entre eux. L'autre parle contre A, B parle contre A. Et vous voulez donc les réconcilier. Vous devez parler clairement, assez clairement, de façon distincte, pour convaincre les deux. Et ensuite, les réconcilier. L'homme est en inimitié avec Dieu. Dieu est en inimitié avec l'homme pécheur. Et Dieu parle contre l'homme pécheur. Et l'homme pécheur est opposé à Dieu. Et vous voulez réconcilier l'homme pécheur au Dieu saint. Vous devez prier Dieu de sorte, de façon fervente, de façon convaincante. Vous devez prier à Dieu de façon persuasive, en lui rappelant que Christ est mort pour les pécheurs. Et Dieu dit oui, je vais le pardonner. S'il peut se repentir, alors tu vas maintenant parler aux pécheurs de façon persuasive, pour que s'il continue dans sa vie pécheresse, dans ses transgressions, dans sa rébellion, dans sa désobéissance, il y aura donc un jugement éternel. Et il va souffrir pour toujours. Alors, tu dois le convaincre, tu dois le persuader au point où il sera disposé à se repentir, à revenir au Seigneur. Et maintenant, l'homme peut être réconcilié à Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Troisième point maintenant. Troisième point, les messagers passionnés, dotés de puissance et de revêtement. Les messagers passionnés, dotés de puissance et de revêtement. Il nous dit en 1 Corinthiens au chapitre 14. Verset 20. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des enfants faits, des hommes faits. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas. Quand il dit d'autres langues, cela veut dire langue étrangère, langue inconnue, langue d'étrangers. Quand il dit des lèvres d'étrangers, il parle des lèvres d'étrangers. Des hommes d'autres langues, je parlerai à ce peuple. Voyez ce qui suit. Et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Ça, c'est la limitation ou la limite de parler en langue. Ça, c'est la limite de ces langues étrangères. Ça, c'est la limite d'une langue non comprise par ceux à qui nous parlons. Même avec tout ça, ils ne m'écouteront pas. Même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset 23. Si donc, dans une assemblée, dans une église entière, tous parlent en langue, et qu'ils tous parlent en langue étrangère, tous parlent dans des langues inconnues,
et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Il est persuadé par tous. Et il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant, ses péchés cachés sont exposés, ses mauvaises habitudes sont exposées, et les choses qui vont attirer le jugement sur eux, sur lui, sont exposées dans sa vie. De sorte, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Nous devons donc déclarer la parole clairement pour que ceux qui entendent reviennent au Seigneur, se détournent de leurs péchés et se répandent. Luc 24, 47. Luc 24, verset 27. Et que commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui concernait parler en langue dans les langues étrangères que les gens ne comprennent pas. Verset 47. Et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les gens vont comprendre. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas là-bas, nous avons des interprètes afin que la parole leur parvienne directement, afin que la parole de repentance, la parole pour qu'il va leur permettre de se détourner de leur transgression, soit claire dans les cœurs, dans les esprits des membres pour le pardon et la rémission de leurs péchés dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Trois éléments à considérer. Premièrement, les messagers purifiés avec une proclamation exigeante. Deuxième élément, les messagers spéciaux avec des prophéties avérées. Troisième élément, les messagers triomphants sur le peuple de discernement. Premier élément, les messagers purifiés avec une proclamation exigeante. Voyez cela en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Mais maintenant, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement dans les Écritures. Dans la compréhension de notre commission, ne soyez pas des enfants. Mais la compréhension de l'adoration acceptable, l'adoration du Seigneur, ne soyez pas des enfants. Dans la compréhension, notre appel, la vocation, la sainte vocation, dans la compréhension de notre vocation, notre appel, ne soyez pas des enfants, frères. Ne soyez pas des enfants dans les exigences de Dieu, ce qu'il nous faut pour aller au ciel, pour participer à l'enlèvement. Ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, de la compréhension, soyez des hommes faits. En 1 Pierre, au chapitre 2, verset 1er, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice, vous avez sauvé, rejetant donc toute malice. Vous professez être sanctifié, rejetant donc toute malice. Vous avez la nature de Dieu, la pensée de Christ, vous suivez le Seigneur et vous écoutez, vous
J'attendais le son de la trompette pour nous ressusciter. Et les morts en Christ vont, et nous qui sommes vivants, nous serons ensemble transformés pour être enlevés avec eux dans les airs. Alors, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, tout mauvais propos. Verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous voulez croître, cela veut dire que vous devez enlever, vous dépouiller des habitudes, de l'ancien style de vie, le mode de vie des enfants spirituels. Pour être mature, pour croître, vous devez croître en esprit, croître dans la connaissance de Dieu, devez croître dans votre intimité avec Dieu. Et votre vie d'aujourd'hui est meilleure, élevée et plus sainte que votre vie d'hier. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Verset 3, si on dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors rejetez toute malice. Éphésiens, au chapitre 4, 31. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute amertume, forme d'amertume, que toute amertume, toute animosité, que toute forme d'amertume dans le cœur, dans la pensée, dans le langage, toute amertume, toute animosité, toute colère, il parle à tous les enfants de Dieu, il parle à ceux-là qui professent être nés de nouveau, il parle à ceux qui ont la relation avec le Seigneur et qui sont réconciliés avec Dieu. C'est pas que je suis sauvé maintenant, alors je peux me fâcher, je peux me battre, je peux me bagarrer. Quand je suis sanctifié, alors je vais me débarrasser de la colère. Pas du tout. Dis-le à tous les enfants de Dieu et dis, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes enfants de Dieu, les choses qui te font fâcher, analyse-les. C'est quoi? La voix de quelqu'un, l'action d'une personne ignorante, ou bien l'habitude d'une personne qui ne se contrôle pas, ou bien l'égoïsme d'un égocentrique qui te fait fâcher, te met en colère. Ah, tu es fâché parce que le poisson naît selon sa nature. Tu es en colère parce qu'un oiseau vole selon sa nature. C'est comme si tu es en colère parce qu'un pécheur est en train de pécher selon sa nature. C'est comme si tu es en colère parce qu'une personne qui n'a pas été purifiée du moi est égocentrique selon sa nature. Ça ne doit pas te faire fâcher. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Analyse ce qui te met en colère. Alors viens à Dieu et dis, Dieu, j'ai besoin de la grâce. Quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce que les gens feront, ils agissent selon leur niveau, selon leur compréhension. Ils agissent selon leur nature pécheresse. Par conséquent, alors ils étalent leur nature. Je ne vais pas me fâcher que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout aspect de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et lorsque cela est enlevé, il y a un vide qui est créé là-bas. Vous devez remplir ce vide. Verset 32. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Vous ne pouvez pas être bon et en colère au même moment. Vous ne pouvez pas être aimable et en colère au même moment. Vous ne pouvez pas être joyeux, content et en colère au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de sourire, un large sourire et en colère au même moment. Alors, remplacez la colère, remplacez la malice, remplacez la clameur, remplacez la limosité par le fruit de l'esprit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ce sera fait au nom de Jésus.
Deuxième élément maintenant, les messagers spéciaux avec des prophéties avérées, des prophéties démontrables. Comme je vous le lis ceci, je dois vous rappeler, les prophètes de l'Ancien Testament, on leur disait souvent de démontrer leurs prophéties. Et ça dit, démontrer, c'est d'illustrer. En Esaïe, et Dieu a dit à Esaïe, ôte tes chaussures, ôte ta corde, ta veste, marche nu devant les enfants d'Israël pour 3 ans. Et dis-leur, comme je démontre ça devant eux, et je marche nu devant vous, ainsi on vous emportera en captivité, et vous marcherez nu devant eux. Il a dit à Jérémie, il dit, prends une bouteille, va devant les anciens d'Israël, et élève cette bouteille, alors casse-la et jette-la dans la rivière et prends une grosse pierre, emballe-la, les prophéties négatives contre eux, jette-les dans la rivière et avec tout ce qui se passe, c'est comme ça Nebuchadnezzar, Babylone sera jeté dans la rivière. Il a démontré, il a illustré le message. Ézéchiel vient ici, prend le blé, et écrase tout ensemble, mais ce qui sortira de l'homme, mange en la présence des enfants d'Israël. Ézéchiel a dit, oh Seigneur, comment est-ce que je peux le faire? Je n'ai jamais consommé quelque chose d'impur, de pollué par le passé. Dieu dit, d'accord, je te donne la langue d'un, alors c'est là-bas. Et tu mangeras devant eux, et couche-toi d'un côté pendant longtemps. En la présence des enfants d'Israël, démontre tes prophéties, illustre tes prophéties et dis-leur, voici comment vous allez manger dans la captivité. Ces prophètes, on leur disait parfois d'illustrer leur message et de démontrer leur message afin que les enfants d'Israël puissent comprendre la teneur et la teneur du message que les prophètes leur donnaient. Maintenant, nous devons alors déclarer le message de la parole de Dieu de façon claire. Vous ne pouvez pas croiser les bras et vous tenir rigide quelque part et en prêchant la parole de Dieu, en démontrant la parole, votre tête ne bouge pas, votre bouche s'ouvre à peine. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez montrer que vous croyez au message, que vous vivez le message et vous le démontrez devant le peuple. En 1 Corinthiens chapitre 14, lisons le verset 21. 1 Corinthiens 14, 21. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour signifier quelque chose, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que vous êtes fous? Mais vous savez, le signe qu'il nous a donné, ce n'est pas le signe de parler en langue. Si vous regardez Marc 16, 17, il nous donne d'autres signes que nous pouvons démontrer pour que le message soit clair dans le cœur du peuple. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles viennent. Il dit, les signes et les prodiges viennent. Ils frappent à ta porte et comme tu ouvres la porte, ces signes et ces prodiges viendront dans ta vie au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons seront chassés. Ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues de puissance viendront. Verset 18. Votre amen est faible, hein?
Verset 18, ils saisiront des serpents, tous ces serpents, ces esprits de serpents seront chassés au nom de Jésus. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Tous les poisons que les gens envoient dans ton corps, à la mention du nom de Jésus, tous ces poisons seront balayés au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je n'entends pas la main de mon peuple. Cette semaine, vous avez entendu, à part du jeudi jusqu'au mardi suivant, les signes et les prodiges. Nous en avons besoin. Pour les nécessités, je serai participant. J'ai dit, j'en serai un participant. Et ça va se produire à Calabar. Et ça te parviendra. Partout tu seras. Ça va t'atteindre au nom de Jésus. Les signes et les prodiges. Pour moi. Pour toi. Pour nous tous au nom de Jésus. Verset 20. Ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que quelqu'un crie Amen. Troisième élément maintenant, les messagers triomphant sur le peuple de discernement. Les messagers triomphants sur le peuple. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent, quelques non-croyants, ou un homme du peuple. Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quand la parole de Dieu sort et elle triomphe du cœur, qu'il soit pécheur, ou soit malade, ou qu'il souffre, ou qu'il soit tourmenté, et que la parole de Dieu leur parvient, et que la parole est rendue personnelle, que la parole a des faits dans leur vie, s'ils sont pécheurs, ils seront sauvés, s'ils sont saints, s'ils sont sauvés, ils seront sanctifiés. S'ils sont malades, ils seront guéris. S'ils sont tourmentés, ils seront délivrés. Le Seigneur mettra le témoignage dans chaque bouche. Alors, ils auront des témoignages. Dieu est au milieu de vous. C'est comme ça, la parole va prévaloir dans le programme à venir que nous aurons. Dans ta vie, la parole de Dieu va prévaloir. Dans la vie de tes invités, la parole de Dieu va prévaloir. Dans la vie de ceux qui sont malades, la parole va prévaloir. Dans la vie de ceux qui sont morts spirituellement, la parole va prévaloir. Dans la vie de ceux qui ont rétrogradé, la parole va prévaloir. Dans la vie de ceux-là qui ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas, ils sont ici, ils sont là-bas. Et ils se demandent, est-ce que je suis sauvé, comment est-ce que je peux être sûr? La parole de Dieu va prévaloir dans leur vie au nom de Jésus. Alors, plus que cela, il y a de plus que cela en toi. Chaque jour de ta vie sera brisé. Plus que cela dans ta vie, tout problème de ta vie sera résolu. Plus que cela dans ta vie, tout puissant de tourment, tout ce qui trouble ton âme, ton esprit, ta pensée, tout la parole va prévaloir sur tout cela au nom de Jésus. Ta vue va toucher, tes oreilles seront touchées, ta vie sera touchée. Un nouveau feu, un nouveau zèle, une nouvelle puissance viendront dans ta vie. La parole va prévaloir dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les confusions du passé, tous les problèmes du passé, tout va disparaître. Alors, tu
n'aura plus de problème après ce programme. Donne-moi un grand amen. Tu seras un problème pour le diable. Le diable va tourner par-ci, par-là te rencontrer. Tu vas dire au nom de Jésus, il va fuir. Et il va dire, qu'est-ce que je vais faire avec ce jeune-là, avec cette jeune fille-là? Tu seras un problème, tu es un problème pour moi. Au lieu que toi tu dises, fuis, il va dire, quitte mon chemin, quitte mon chemin, quitte mon chemin. Parce que tu deviendras un problème pour le diable. Je serai un problème pour le diable. Lève-toi alors et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Que ce programme qui vient, nous aurons la parole de Dieu. La parole de Dieu va prévaloir dans ta vie ou ta bouche. Et parle au Seigneur. Tu seras un problème pour le diable. La parole de Dieu et la puissance de Dieu vont prévaloir dans ta vie. Et vont prévaloir à travers toi. Les jours puissants viennent. Des jours merveilleux viennent et la parole de Dieu fera du bien dans ta vie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, je viens Seigneur, je viens. Je vais recevoir comme je reçois ce soir la parole de ta puissance, la parole de prophétie et la parole qui va prévaloir. Et il y aura la puissance particulière qui vient avec cette prédication prophétique et tout ce qui est dans ma vie, qui ne doit pas être là-bas. Tout sera balayé, balayé par le vent de l'Esprit de Dieu. La parole va prévaloir. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Et sois sûr. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crédulité. La parole de Dieu va prévaloir dans ta vie. Et la compréhension. Et la compréhension. La malice pour les enfants. L'incrédulité pour les enfants. Alors la parole prophétique pénètre ton cœur. Le message des premiers prophètes, le ministère des premiers prophètes, par le ministère des prophètes, je les ai fait sortir. Que ce ministère des prophètes sorte aujourd'hui des ténèbres, de la captivité, de l'esclavage, de l'impotence. Que le ministère du prophète sorte. Et par le ministère des prophètes, ils étaient préservés, gardés. Que le ministère des prophètes, proclamant la parole de Dieu, édifiant l'Église, exaltant les croyants, consolant les croyants, encourageant les croyants, que ce ministère des prophètes, des prédicateurs, des pasteurs, t'édifie, te préserve. Préserve tes expériences chrétiennes de salut. Préserve ton zèle. Que ce ministère préserve ta foi. Qu'il préserve ta consécration. Que le ministère des prophètes préserve ta conviction. Préserve ta vie. Préserve et ait un impact positif. Une position positive dans ta vie. Par le ministère des prophètes, ils ont été sortis. Par le ministère des prophètes, ils ont été gardés, préservés. Sois édifié.
Que la parole que tu écoutes édifie. Comme la nourriture que tu consommes te nourrit. La parole de consolation. Parole de puissance. Parole de révélation. Parole de vérité. Parole de vie. Parole de sainteté. Parole de justice. Que la parole pénètre. Que la parole t'influence. Que la parole te transforme. Et que l'évidence de cette édification soit connue de tous autour de toi. Que la parole te fasse croître. Malice disparue. Mauvais propos disparu. Calomnie disparue. Querelle. Mauvaise pensée. Tout disparu. L'envie. La jalousie. Tout disparu. Et ton cœur ne doit pas être vide. Tu dois remplacer toutes ces choses. Après que la colère est partie, la malice est partie, la calomnie est partie, après que le commérage est enlevé, remplace-les par la bonté, la douceur, la liberté, liberté d'expression, la force spirituelle, la maturité. La vie de sainteté et de justice. Tous les jours de ta vie. Courageux, audacieux. Ne fuyant pas les épreuves et les tentations, mais tenant. Et mettant les mauvaises choses de leur côté. Jusqu'à ce que tu deviennes un problème au diable lui-même. Et quand tu parleras, sois clair. Parle en parole clairement, distinctement et de façon persuasive pour que les autres en écoutent et se découvrent. Les autres entendront et se repentiront. Les autres entendront, seront convaincus et seront touchés dans leur cœur. Parle de sorte à ce que tu ne parles pas en l'air. Tu parles au cœur des hommes, des femmes, et qu'ils écoutent, ils comprennent. Et ils répondent de façon appropriée à la parole qu'ils écoutent. Clarifie le mystère. Clarifie le mystère. Dans les choses que tu dis, sois passionné. Sois persuasif. Sois poignant, pénétrant dans tes messages. Et la parole que tu écoutes, qu'elle te conduit à la consécration, qu'elle te conduit à la prière, qu'elle te conduit à la foi,
qu'elle te conduit au progrès dans la spiritualité. Et que la parole ait une influence permanente, un impact permanent dans ta vie. N'oublie pas ce que tu as entendu. Que la parole te change, te transforme, te fasse croître, te rende mature, te rende ferme, te fasse de toi une terreur, un problème pour le diable. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous te remercions pour ce que nous avons entendu ce jour. Nous prions que le profit de cette parole soit permanent dans chaque vie au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, nous prions. Prends tout ce que nous avons entendu. Agis dans nos vies à travers ce que nous avons entendu dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Et fais de nous des croyants, matures, fermes, stables, puissants, persuasifs, que nous devrions être au nom de Jésus. Balaye toute crainte de nos vies. Accorde-nous ton esprit de vainqueur. Mais, fais de nous des enfants de Dieu vainqueurs, persuasifs, au nom de Jésus. Ce qui était des problèmes pour nous sera sous nos pieds. Nous avons vaincu. Nous allons continuer à vaincre. Jusqu'au son de la trompette, nous serons des vainqueurs au nom de Jésus. Tout passe sur le chemin. Seigneur, fais de nous des vainqueurs. Écoute pas ta parole et pas l'esprit. Nous prions, Seigneur. Nous ne serons pas intimidés par quoi que ce soit que nous allons rencontrer, mais que tout esprit, toute maladie, tout péché, tout mal soit sous nos pieds. Fais de chacun de nous des vainqueurs par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, dans ce programme auquel nous allons tous participer, les signes et les produits pour les nécessiteux qui commencent jeudi. Seigneur, nous prions que tout problème dans toute vie de ton peuple ici et partout dans l'église, hors de l'église, en ligne, tout problème soit balayé au nom de Jésus. La puissance en manifestation, la puissance en démonstration et la puissance qui brise les jougs va se produire et chacun en profitera au nom de Jésus. Et tu mettras des témoignages dans chaque bouche, des signes et des prodiges pour chacun. Signes et prodiges pour toi. Signes et prodiges pour ta famille. Signes et prodiges pour tous nos invités. Signes et prodiges partout. Sur le plan mondial, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.